Je n'ai jamais cru que la vie était faite de hasard. Non, je repense à ton regard et je me dis que sans toi, la vie telle que je la connais n'aurait pas été. Pourtant, quand je me présente devant vous, je repense à ces 2 dernières années. À vos côtés, j'ai appris l'humilité, la bienveillance et la confiance. Mais notre rencontre n'était pas écrite. Et sans que vous le sachiez peut-être, ici j'ai vécu des moments difficiles. Non mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah! Adrian! You fuck my wife! J'ai intégré votre équipe totalement par hasard. Pour être honnête, au début je pensais que c'était un club de natation, moi. Bah non, je vois pas, hein. Désolée, craque, mais moi je ne comprends pas cette imitation abracadabrantesque. Tu peux arrêter 2 minutes d'imiter Jacques Chirac, s'il te plaît? Je suis pas en train de jouer, je suis en train de vous avouer un truc hyper important. Un jour, je vous ai demandé pourquoi vous faisiez de l'imitation, et vous m'aviez répondu que c'était votre manière de se sentir proche des gens que vous aimez. Mais je crois que je faisais la même chose avec vous. Je vous aime, vous, mais j'aime pas ça. Imiter des gens, me déguiser, c'est pas mon délire, en fait. Attends, quoi? Pourquoi? En plus, j'avais prévu de t'organiser une rencontre avec Orelsan pour que tu l'imites devant lui. Ouais, c'est marrant. Alors quand tu m'as dit qu'entre gagner au loto et rencontrer François Michel qui est quand même 17e au classement régional des meilleurs sosies de Johnny, tu préférais rencontrer Michel. C'était pas vrai non plus. Et quand t'as raté notre concours d'accent belge pour aller au séminaire d'imitation d'Éric Antoine, c'était du flan, j'imagine? Je suis même pas sûr que ça existe, et puis même si ça existait... Ouais bah ça, t'inquiète pas, on avait bien compris que monsieur était au-dessus de tout ça. Arrête Miranda, j'ai pas dit ça. En même temps, 2m7 le Eric, personne n'est au-dessus. Donc ça fait 2 ans que tu viens toutes les semaines. Que tu sers dans le buffet. Que tu participes à nos marathons Cécamplou. Ça fait 2 ans que tu te déguises. Que tu montes sur scène et t'as jamais rien dit. À aucun moment t'as osé parler du fait que t'aimes pas ça. Ouais, mais tu sais comment je suis, ça fait 8 ans que ma tante m'offre des After 7 à Noël et je lui ai toujours pas dit que j'étais allergique à la menthe. Allez, viens là. Moi aussi, allez. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Would you like to chat?